Vous êtes amateur de chaleur, sans doute comme moi, ce temps-ci de l'année, on en prend, on en veut. Le problème, c'est que la patience va être de mise cette fois-ci. Donc, on a un mois de mai qui risque d'être un petit peu décevant. Oui, on va voir les chaleurs se préciser, mais de façon quand même relativement courte. Donc, rien de très systématique et de très appuyé. Au début du mois, ça va. Creux de vague pour le milieu du mois, avec une reprise en deuxième moitié vers la toute fin de la période. Mettons, on a donc, surtout pour les secteurs les plus à l'ouest du Québec, une possibilité de voir des températures globalement là, pour la première tranche au-dessus de la normale. C'est un petit peu moins palpable pour les secteurs les plus à l'est. Arrive le milieu du mois, la chaleur se repositionne plus à l'ouest. On a donc une petite déception sur le plan des températures, avec espoir de voir tout ça se rétablir quand on va arriver vers la toute fin du mois. En temps normal, le mois de mai, c'est le mois où les 20 degrés s'installent. On en a entre 4 et 14 journées. On risque d'en avoir moins cette fois-ci.